La fréquence des éjaculations a-t-elle une influence sur le risque de développer ultérieurement un cancer de prostate? Cette question revient de plus en plus souvent en consultation. Bonjour, je suis le docteur Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris spécialisé dans les pathologies de la prostate. Pensez à liker cette vidéo, à la partager avec des proches et à vous abonner à cette chaîne dédiée à la prostate. Une question revient beaucoup aujourd'hui, est-ce que la fréquence de l'éjaculation peut diminuer le risque de développer ultérieurement un cancer de la prostate? Cette question n'est pas innocente, elle vient du fait qu'une étude a été publiée où on comparait la fréquence des éjaculations avec le risque de développer un cancer de la prostate et cette étude a été suivie pendant 20 ans. On a donc suivi un panel de plus de 30 000 patients pendant 20 ans en essayant de comptabiliser au mieux le nombre d'éjaculations mensuelles pour voir s'il ressortait un nombre d'éjaculations entre guillemets minimum qui pourrait permettre de diminuer significativement le risque de développer un cancer de la prostate. Cette étude montre que chez les patients qui éjaculent au moins 21 fois par mois, le risque de développer un cancer de la prostate est 20% inférieur à celui des patients qui éjaculent entre 4 et 7 fois. C'est extrêmement intéressant, néanmoins ça demande un nombre d'éjaculations fréquentes, plus que la moyenne. Deux bémols à cette étude. Premier bémol, c'est purement déclaratif. Personne n'est allé vérifier le nombre d'éjaculations réelles des patients dans l'étude. Deuxième bémol, qui est intéressant, on n'a pas réussi à isoler un facteur précis. Qu'est-ce qui fait que finalement le fait d'éjaculer plus va diminuer le risque de cancer de la prostate? La seule théorie développée aujourd'hui serait qu'il existerait dans le liquide séminal des facteurs cancérogènes et que le fait d'évacuer régulièrement le sperme et donc le liquide séminal permettrait de diminuer l'exposition de la prostate à ces facteurs cancérogènes. Toujours est-il que c'est une étude qui est intéressante, qu'elle va plutôt dans le bon sens puisqu'elle nous incite à avoir plus de rapports sexuels. Merci et à bientôt.